s'appelait lui aussi, dans les monts Beskidi. C'était en 1939. La seconde règle du guide de survie, avoir un minimum de chance. Avoir un minimum de chance. Mon cousin n'a pas respecté cette règle de base. Il est mort quelques années plus tard en Russie, à Katyn. Là où son père s'était fait tuer lui aussi. Anya chérie, la troisième règle de survie, c'est savoir ce que l'on veut. Quand j'ai vu des morts, j'ai su. À l'époque, mes ennemis jurés, c'était les Allemands. C'est là que m'est venue l'obsession de vouloir les combattre, jusqu'à la mort, s'il fallait. Très vite, mes priorités ont changé. Ce que j'aimais admirer, tous ceux qui avaient affronté les nazis, on les a envoyés tout droit au cimetière. Je devais lutter, combattre le bolchevisme. Les amis de mon père me demandaient ce que je voulais faire quand je serais grand. Je répondais, je vais aller à Francfort, à l'école des espions, où j'apprendrai le métier. Puis je rentrerai en Pologne, en parachute.